Donc bonjour à tous, ça sera avec le 90. On se retrouve pour un tout nouveau let's play non, pas de Pokémon, Star Wars Jedi Fallen Order. Pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super. On y va. Au travail. Au travail. Ah, ici. Je suis juste derrière toi. Ah. Donc là, je peux sauter. Bon, ça va. Après, je sais pas si on peut grimper. Hein. Ah, t'en fais pas. Rapide, hein. Je ne pense pas que ces outils vont pouvoir tenir jusqu'au bout. Là-haut. Après toi, petit. Merci. Admire-moi ça. Un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu une Ducarol que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas vraiment changer l'histoire, il me semble. Genre avoir plusieurs fins différentes et tout. Dans Star Wars, le pouvoir de la force, on pouvait changer un peu. Danger ! Danger ! Quoi ? Hey, tout va bien? Ouais, ça va. Mais il n'y a plus d'échelle. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Ah, je sais même pas si... Ouh, ça va être énorme. Je le sens bien, là. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Ok. D'accord. J'espère que ça va marcher. Hein. Wow. Ok, il y avait pas mal de personnes, j'ai vu sur YouTube. Que... Je déconseille ce jeu. Eh, doucement. Je vais faire passer. Déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. Oui, oula. Donc là, on a une phase de parcours. Cale le casse-cou. Content de te voir. Moi aussi. Et
évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. Ah merde! J'ai sauté trop tôt. Putain, mais là je... Non mais... T'es con. Ça marche, à tout de suite. On va essayer. Je suis quand même mort de faute là. Oh merde! Comment je fais, moi? Oh là 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 là, ça va être terrible. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ah. Je crois qu'il faut descendre. Chantier là, en avant toute. Bon, on va s'activer. Ouais, t'as bien raison. Par où je dois aller en fait, les gars? Ça, c'est. C'est le vaisseau de la République. Allez, faut qu'on termine avant qu'il commence à découper l'aile. Archimède, Archimède! Al, actionne le levier de contrôle manuel. Ah ouais, il est où? Ça va? Non, ça va pas du tout. Oh, tu m'as fichu la trouille. C'est bon. Bouge pas, on occupe. C'est bon, viens me rejoindre. C'est dommage qu'ils ont pas continué la licence Star Wars, le pouvoir de la force. Eh, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Tous ces Jedi, une vraie tragédie. Oh, moi, j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais,
On récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des primes pour les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. Sinon, on doit faire attention. Ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... T'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Dormir aussi longtemps. Prof ? Bien, nous avons dû
prof. Attends. Je crois qu'il nous a rendu. Où tu vas? Problème. Oh putain. Ah non, c'était un rêve. On est sur un... sur un vaisseau impérial. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Je pense qu'il a été trahi. Ce sont pas genre des super commandos là. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Kador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités, prof. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Oh, le salaud ! Voyez-vous ça ? Un sabre laser ? Je maîtrise le Jedi ! C'est quoi ? Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Jedi! Bien sûr, à quoi tu t'attendais? Dommage qu'on peut pas récupérer le fugitif. Je
entendu à la radio. Un Jedi ? Prépare-toi ! C'est le prêtre ! Abat-le ! C'est pas si facile ! Contact confirmé. Abattez-le. En fait, c'est trop rapide. Attention ! Abattez-le ! J'ai fermé la porte. Je peux le vaincre sans problème. Ouais, mais comment j'ai fait ? Tu es notre pote là, je suis pas content du tout, putain. Pas le choix. Ouais, faut pas que je m'arrête. Ouais, surtout pas. Ce serait dommage, hein. Préférez me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. Tuner ! Oh non ! Non, 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 non ! Et voilà. Gravez-y, on l'attaque ! Tu pourras pas m'échapper ! Et voilà, c'est comme ça qu'on découpe le corps. J'ai de père en fils. Par ici, il ira pas loin. Rebelle, la série animée était naze. Fallait pas Star Wars.
plus vite. Enfin, j'essaie de plus vite là. Il est là. Ça détruit le coupleur. Putain. Je dois descendre. Il faut monter. T'es arrêté? Allez, saute! Tiens bon! Non!
tu vas quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Très bien, tu n'esquiveras pas la suivante. Ma patience a des limites. Bien, qu'on en finisse. Tu es pitoyable. Éteins-moi ce truc, et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui, exactement? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la Force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi? Faire renaître l'Ordre Jedi de ses cendres. Vous deux? Et personne d'autre? Oh, on n'est pas assez bien pour toi? Et le Conseil Jedi? Disparu.
donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Bogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. C'est dommage qu'on n'a pas... On n'a pas... de ça. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Quelle attention! T'es au courant que tu causes en dormant? Cinglé. Non, pas maintenant, j'ai du boulot. D'accord. Et elle est où, serré? Donc, ça a l'air sympa ici. Cet air, je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination.